Bonjour, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bouton Rouge après une interruption d'une semaine. Il y a 15 jours, un peu témérament peut-être, je vous avais promis une grande surprise. Cette grande surprise, eh bien, c'est le Pink Floyd qui, spécialement venu d'Angleterre pour Bouton Rouge, va vous montrer sa musique et vous la faire entendre. La montrer, c'est très important car sur disque, à mon avis, le Pink Floyd, ce n'était pas encore tout à fait ça. Et pourtant, si Aimé de Plat était un grand succès en Angleterre. Mais je crois en effet qu'il faut voir le Pink Floyd. Et ils sont sur le plateau de Bouton Rouge maintenant avec des morceaux nouveaux, des morceaux extraits de leur dernier 30 cm. Le plus étonnant, d'abord, il a un titre qui me plaît beaucoup, c'est Astronomy Domine, le seigneur de l'astronomie par le Pink Floyd. D'amener le Pink Floyd. Voici un nouveau morceau, le Pink Floyd part en flamme. Le titre, c'est bien sûr Flaming the Pink Floyd. Thank you.
Merci au Pink Floyd, nous les retrouvons tout à l'heure sur le plateau de Bouton Rouge. Je vous avais promis, pour terminer ce Bouton Rouge, de nouveau les Pink Floyd, ils sont toujours sur notre plateau. Voici en exclusivité pour Bouton Rouge, deux morceaux de leur prochain 30 cm, encore inédits, même en Angleterre. Voici d'abord Set the Controls for the Heart of a Sun, de Pink Floyd. Questions I have. Régler les contrôles pour le cœur du soleil, c'est le titre de ce morceau très étonnant. Je crois que les Pink Floyd aiment beaucoup la lumière car le morceau suivant, aussi un morceau tout nouveau, s'appelle Let There Be More Light.
qu'il n'y ait plus de lumière. De nouveau, les Pink Floyd. Thank you, Pink Floyd. Merci au Pink Floyd. Déjà, ce bouton rouge se termine. Je vous donne donc rendez-vous à samedi prochain à la même heure. Je crois déjà pouvoir vous annoncer P.P. Arnold et les Small Faces. Bonsoir, à samedi. Mais je voudrais bien accueillir maintenant un groupe fantastique qui a créé pour la première fois en Angleterre le système psychédélique. Vous connaissez, M. Dimitri, hein? Il faut le dire. Quand même. Bon, alors maintenant, je vais vous les présenter. The Pink Floyd!
On the dandelion, no care, you can't
ce doigt, les Pink Floyd. Thank you.
Ceux-là ont un avantage sur peut-être tous les autres, c'est qu'ils ont une... Sauf le noir, qui est tout à fait spécial. Taj Mahal, c'est ça, qui est un registre à part. C'est qu'ils ont une imagination, une sensibilité de la couleur, du son même en soi. Et ils font un pas en avant très grand de ce point de vue. Le Pink Floyd est un groupe anglais qui évolue dans un climat très particulier, qui est celui pour eux de la science-fiction constituant leur grande passion en dehors de la musique. Vous savez qu'il y a plusieurs courants dans le domaine de la musique pop anglaise. Il y a actuellement ce courant du blues qui est très vivace et qui est représenté avant tout par John Mayall. Il y a aussi les monstres sacrés qui sont les Beatles ou les Rolling Stones. Et puis il y a des gens comme le Pink Floyd pour aller plus loin et pour pousser encore plus en avant certaines recherches d'ordre sonore pour aller vers un climat de raffinement toujours plus poussé. Je vous précise tout de suite que là nous les entendons et nous les voyons en playback, car il ne leur est pas possible de reproduire sur scène tous les effets sonores qu'ils parviennent à obtenir sur le disque, qui viennent de ce travail de studio électroacoustique. Et nous était pas possible, évidemment, de leur demander de nous rendre absolument toute la musique qu'on peut écouter d'eux par le disque. Voici donc le Pink Floyd. Oh,
Seul membre du Pink Floyd à Paris français, je voudrais en profiter pour vous demander de nous présenter vos amis. Alors oui, ça c'est Nick, le batteur, oui. Roger Lais, le bassiste, et Rick, l'organiste. Qui est le leader du groupe? Il n'y a pas de leader. Personne? Non. Qui compose votre musique? Nous tous. Tous les quatre? Mm-hmm. Philippe Kecklin a dit tout à l'heure que la musique du Pink Floyd ne faisait partie d'aucune mode et d'aucun mouvement de la pop musique actuelle. Ça n'est pas du blues, ça n'est pas du rock, ça n'est pas de la musique engagée. Je voudrais savoir comment vous définissez vous-même votre musique. Je sais pas, on ne la définit pas. C'est de la musique futuriste, c'est de la musique spatiale. Oui, c'est un peu futuriste, j'espère. Non, c'est la musique d'aujourd'hui, pour nous. D'aujourd'hui ou de demain? Non. D'aujourd'hui? Oui. Tous les deux. Comment s'appellent les morceaux que vous venez de jouer, les deux morceaux là? Ça c'était Point Me at the Sky, c'était un sample et une chanson Set Controls for the Heart of the Sun, la oui. Dernière 33 tours. Et celui que vous allez jouer maintenant? Ça s'appelle Source for the Secrets, c'est là. C'est un extrait de votre album? Oui, ça a le même titre que l'album. Oui, merci. Thank you.
croyais pas que ces gens-là font du bon travail en finalement jouant mais sur deux tableaux et en ouvrant un peu les oreilles. Je pense que, de deux points de vue, comme vous dites, c'est un bon travail, évidemment d'une certaine qualité, mettons. Et puis, de notre côté, ils ont vraiment de l'imagination. Ce sont des gens qui ont du talent, ceux-là. Je suis persuadé. Thank you.
like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She waits, looking very angry.